Et voilà, certains d'entre vous m'ont vu monter quand j'étais petite et quand je suis là maintenant, à l'âge de 18 ans. Certains m'ont vu descendre aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'on est arrivé à ce jour-là, à ce jour que tout le monde attendait, que l'objectif se réalise. Mon objectif, votre objectif. Ensemble, nous avons réussi à pouvoir obtenir un PC. C'est vrai, j'ai beaucoup à apprendre avec vous. Alors merci beaucoup. À bientôt. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Les amis, aujourd'hui après presque 7 ans d'attente, je reçois enfin le PC que j'ai commandé sur Memory PC, comme vous pouvez le voir, comme c'est écrit. Aujourd'hui on va le déballer et on va voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Oh. Wow. Ah ouais, il y a quand même pas mal. Ah ouais, c'est sur surprotégé là. Ah ouais, quand même. Alors. Ah oui, ça c'est les écrans, je pense. Ça c'est les écrans. Alors j'en ai commandé un, c'est 27 pouces. Et un autre, c'est 24 pouces. Ouais. Peut-être que ça c'est le 27. Là-bas. Merci encore à Memory. Merci pour Memory PC. Parce que... pour tenir le PC. Ça me suit. Ça, ça doit... Ah oh ouais, il est... Carrément, il est... Oh. Ah, c'est le... Ah ouais, parce que en fait, sur la photo, on voyait pas, on a... Enfin... J'ai l'impression qu'il était droit en fait. Genre, vous voyez, il est droit comme ça. Et en fait, il. Non, il est. Oh! Regardez, je sais pas, est-ce que vous voyez sur la caméra, mais il est bien. Hop. Voilà. On va le remettre en attendant de l'installation sur le setup. Hein. Hop. Un peu de galère à le remettre, mais ça devrait le faire. Je vais le mettre ici en attendant. Il tombe. Dommage. Et maintenant on passe au deuxième écran. Le deuxième écran. Alors, on l'ouvre. Ça c'est Asus, ça c'est sûr. Il a l'air aussi grand que l'autre, je ne sais pas pourquoi, ça m'inquiète un peu. Du PC, non? Ah non, pas du tout. Ah oui, quand même. Oh, c'est trop risqué. Oh, alors, celui-là, qu'est-ce que ça donne?
pour remettre ma vie en question là. Oh, c'est classe. Ah oui, quand même. Donc on a un écran droit et un écran Comblé, je sais pas comment on l'appelle. Bon, je vais éviter de On verra l'image, on verra la qualité après. Oui. Oh, c'est incroyable. Je vais le remettre dedans. Oula, ta chambre est pleine. Ta chambre est pleine. Ah oui, non, mais là. Bon, on va enchaîner. On va enchaîner sur le dernier, le plus important. Le plus important des importants. Les pièces, je sais pas pourquoi il me donne des pièces, mais on verra au moment de l'installation. Est-ce que je peux ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans? Alors, hop, je hop, c'est quoi ça? Ça, c'est votre licence gratuite de. Ah, c'est pour l'antivirus, c'est antivirus. Le câblage, les vis, je sais pas pourquoi, les vis, les fils. T'es sûr que tu peux monter tout seul? On verra. Alors, bon, ça commence à m'inquiéter quand même. On va tout remettre dedans. Et maintenant, ah oui quand même, oui, mais c'est là, ah, ça va être chaud, hein. C'est lourd, ah, c'est lourd, hein. Bon, là il n'est pas allumé, c'est normal, il n'est pas branché. Mais une fois qu'il sera branché, on va faire la deuxième partie. Après là, il faut aussi. Mais on dirait qu'il y a quelque chose dedans, c'est non? C'est une protection. Hein? Ils mettent une protection, même le PC, pour les composants. Attends, on va mettre ici. Donc la vitre, il ne faut pas la mettre par terre, elle va éclater. Bon, on fera ça, tout ça après. Dès qu'il sera sur le PC, on enlèvera la mousse, on vous montrera aussi la deuxième partie. A tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de l'aventure avec la PS4. On va soigneusement tout ranger et on se retrouve après quand le PS4, quand le PC sera monté. Je le garde. Il est à moi. Oui, il se débrouille.
Allez, maintenant c'est parti, on passe aux choses sérieuses. On va monter le PC, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le PC et je vais vous montrer actuellement les principaux composants que j'ai fait, enfin que j'ai choisi grâce à mes amis qui m'ont conseillé. Merci à Evan Life pour le conseil de la diffusion. Merci également à Aurore, merci beaucoup à Ligue. Voilà, du coup c'est parti. Donc nous on se rejoint sur Google et on va faire sur Memory PC. On se retrouve juste après que j'ai connecté. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le boîtier de base, donc je me suis renseignée à gauche et à droite, mais ce qui m'a le plus attiré dans l'attention, c'est sur la chaîne de Guillaume. Donc, beaucoup d'entre vous pourraient connaître. Ceux qui connaissent, vous savez qu'il fait de... Bon, je le connais pas... Je ne connais pas tant que ça le youtubeur, mais ça m'a permis de me guider pour le PC. Donc, il avait conseillé de prendre ce boîtier-là, donc PC Gamer Intel iCore i5. Et après, moi, je l'ai modifié sous les conseils et j'ai pris un SQ Tower 06T RGB noir fenêtre en vert avec une CPU, un Intel Core i5 12000, voilà. Avec, attention, il n'y a pas de carte graphique. Avec aussi la pâte thermique, on la touche pas. Le refroidissement CPU, on ne touche pas non plus. La carte mère, par contre, c'est une Gigabit B760 Gaming XDDR4. Ensuite, nous avons la mémoire vide, donc j'ai préféré prendre 16 Go. C'était aussi dans mon budget. 16 Go DDR4 RAM 3200. Ensuite, pour la carte graphique, j'ai pris une Nvidia GeForce RTX 4060, 8 Go-octets. Bon après j'ai pris 2 Tera, donc 1000 Giga et 1000 Giga octets. Disque dur, voilà. Bloc d'alimentation, j'ai pris Be Quiet System Power 10, 750 watts, 80 plus bronze. Après c'était soit je prends un lecteur un externe, soit je mets pas de lecteur et je préfère ne pas mettre de lecteur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeux vidéo, on les prend plus sur Internet que l'on les jette au CD. Système d'exploitation Windows 11. Et après, j'ai pris un écran 24 pouces Samsung et un écran 24 pouces Asus. Donc 100 Hz et 75 Hz. Voilà, donc celui-là, je le prends pour le chat en direct. Et celui-là, je le prends pour les jeux vidéo. Et comme vous pourrez le voir, vous l'avez vu précédemment... j'ai franchement il y a quand même pas mal de il est énorme, enfin il est plus que je ne l'ai pensé. En revanche celui-là sur l'image ça se voit pas du tout, mais il est comment on appelle ça, il est arrondi on va dire, je connais plus exactement le terme, mais il est arrondi, voilà tout ce que je peux vous dire. Et j'ai pris un câble DisplayPort avec. Donc faites attention parce que ces deux écrans, ils sont HDMI, donc faites très attention quand vous commandez votre PC, ils sont HDMI, donc ça signifie qu'il n'y a pas de sortie DisplayPort. Donc vous devez acheter un adaptateur pour, donc c'est ce que j'ai fait pour pouvoir brancher mes deux écrans ensemble. Il faut acheter un câble pour celui-ci si vous utilisez en second écran. Donc moi j'ai pris un adaptateur... J'ai pris un adaptateur, donc il y a un petit embout, l'embout DisplayPort, je le branche directement sur la tour. Et l'embout HDMI, je le branche directement sur l'écran, ce qui fait que je peux les mettre ensemble et les relier. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour
le PC. Donc ça m'a coûté au total. Ça m'a coûté au total. Je vais y arriver. Au total. Ça m'a coûté 1410,23 €. Voilà. C'est le prix. C'est le prix. Et j'espère qu'il il marchera à longue durée. Merci pour Memory PC. Bon, malgré la l'attente qui a été faite, c'est vrai qu'il faut attendre un peu parce qu'il y a eu pas mal de commandes. Mais sinon, en général, c'est rapide selon ce que vous prenez. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et par contre, avant que la vidéo se finisse, on va aller faire une petite game ensemble, voir comment c'est. Et on se retrouve après. Ok, déjà, on va voir un premier réglage ensemble. C'est les performances. À combien je suis? Alors, à combien je suis? Je vais aller dans... Ah oui, c'est ça. Performance, je vais le mettre ici hein. Et on va mettre latence. Voilà, c'est ça. Hop, donc déjà on est bien. Donc déjà on est bien. Du coup, je suis à 100. Je vais y arriver. Je tourne entre les 176 et 177. Donc j'ai écrit déjà une famille, donc j'ai fait plein de choses, vous inquiétez pas, j'ai un petit projet avec vous. Bon, malheureusement j'ai pas pu récupérer la famille APA, donc je sais pas comment je vais faire, si déjà on des conseils. Bon, toi tu veux pas t'habiller ou je sais pas, trop tenue, alors on va s'habiller, changer de tenue. Je pense qu'il y a un bug. C'est bête, bon, parce que là il y a un souci. Bah, je l'ai habillé de base. Bah, je vous promets, je l'ai habillé. Donc, dans les jeux Sims 4, je tourne. Là, j'ai une petite chute d'FPS. Ah, oui, quand même. Donc, là, si je bouge pas, toujours bien. Oui, j'ai quand même. Bon, qu'est-ce que j'ai, Natacha? Comment tu vas? Hop. Bon, je vais faire visiter un peu la maison, donc j'ai ça, c'est bien quand même. Donc j'ai tous ces lits, c'est un peu, voilà, j'ai un peu ces lits là en haut. Parce que vu que je suis sur PC, je vais profiter de m'amuser, ce que j'ai toujours rêvé, c'est m'amuser à fond le balivern. Voilà, donc en haut ça donne ça, des petits lits, et des aliens. Voilà, c'est des petits aliens, appelle Yugi. Ça c'est Yugi? Il s'appelle comment? S'il vous plaît. Bon, vous inquiétez pas. Ça c'est pas très très grave. C'est pas intéressant. Si vous inquiétez, Aïcha, elle est où? Aïcha de la Paz. Elle est où, Aïcha? Pas capté, Natacha. Bon, voilà, comme vous pouvez voir aussi, j'ai pas mal trifouillé le jeu parce que je voulais m'amuser un peu. Donc voilà, on est pas mal dans l'FPS. Voilà, je sais pas si vous voyez ici en bas, mais on est pas mal. Pas très content, par contre, il faut essuyer. On arrête de montrer ça aux gens là. Voilà, c'est bien. Je sais. Je voulais. Bah non, je n'ai pas réanimé. C'est une erreur de ma part. Pourquoi tu aboies, mon grand? Pourquoi tu aboies? Voilà, on a un petit. On a un petit berger allemand, une sorte de berger allemand. Ah, purée, mais... Ah. Faut que j'arrête de déplacer, hein. Ah, mais il veut sortir, mon grand. Il veut sortir, Victoria. Câlin de réconfort. Et aussi, tu vas aller... C'est quoi, ça? Comme c'est beau. T'es belle. Envoyer un prince. Ah, ah, ok, les cieux. Il y a un sim qui est kidnappé là, tu vas me dire. Genre.
D'accord. Je comprends pas trop. Je teste avec vous, hein. Je découvre. Je teste avec vous. Active dans ce fieu. Ah, Imbo Beige. Ok. Je sais pas quel genre de tragédie peut arriver, mais il peut en avoir. Attends, relation. Alors, ça, par contre, j'ai ça par exprès, j'ai téléchargé en parler. Il pourrait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer, hein. Nip nip Suna. Oh, and Para. C'est pas bien, j'ai mis en anglais. C'est tout sauf bien. Et bon. Oh. Parce que si mes vieux là, tu vois. Activer la réaction pour. Bon, voilà, vous avez compris. Le jeu fonctionne très bien. Parce que moi, quand je commence à Sims 4, je ne m'arrête pas. Passons sur Fortnite. Et voilà, nous retrouvons sur Fortnite désormais. Et je vais essayer de faire une petite game en solo sur Fortnite. Pour que vous voyez comment ça fonctionne et sur combien à peu près d'FPS je suis ou pas. Alors oui, je sais, vous allez me dire encore Fortnite alors que Ellie tu es sur PC. Oui, je sais, mais vous savez que ma chaîne a débuté sur Fortnite, mais c'est aussi parce que Fortnite est un jeu qui a souvent des graphismes. Alors je suis à combien? Bah, je suis à peu près, oui, ça va, 80 FPS, ça va, ça passe. Ok, alors, espérons que tous mes réglages ont été faits correctement pour que je vous montre une petite game. Alors oui, ça lag un peu, parce que je n'ai pas vraiment une bonne go, mais ça va en vrai. Hop. Par contre, le jeu par contre, il est quand même bien fort. Je crois que je suis en train de crier sur le micro. Alors, effet sonore. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, c'est exact. Hop. Oui, bah du coup, j'ai pas atterri sur une bonne ville. Voilà. Ah oui, c'est vrai, sur Fortnite, on peut avancer et boire. C'est vrai. En tout cas, ceux qui étaient sur le stream, enfin, le premier stream sur PC, je suis navrée, j'ai remarqué dans la rediffusion, mais j'ai vite remarqué que le son, mon son de micro n'était pas haut. Alors je vais régler ce problème. Je vais me renseigner sur comment faire pour ça. Et comme ça, la prochaine fois qu'on va aller ensemble, je pourrai bien m'entendre. Pourquoi je tire? Ah, purée pomme de terre. Bon, c'est pas grave. Bon, en vrai, ça va. C'est fluide. Je lag pas. Deuxième game. On y arrive. Alors, pour l'instant, c'est fluide. Alors là, je vois sur mon interface de performance, je suis à 69 FPS. Alors je sais pas si c'est beaucoup, 27 de latence, mais bon. Juste ça. Ouais, déjà.
Ouais, j'arrivais plus à avancer. C'était un peu problématique. Incroyable, je l'ai fait. J'ai pensé qu'il allait mourir, je suis pas morte. Allez hop, quitte. Ça, ça m'a bien servi, donc je vais le prendre. Ça aussi, je vais le prendre. Moi, je sais qu'il y a pas mal de réglages dans mon état, parce que, par exemple, quand j'étais sur PS4, par exemple, si par exemple, ça devenait trop compliqué sur... clavier souris, parce que vous savez que ceux qui sont sur PC, sur PS4, excusez-moi, on perd beaucoup d'FPS. Donc quand on est sur PC, non seulement ça prend de la connexion, mais aussi bah, on perd beaucoup, enfin de mon côté, hein, je vous dis à pro de mon expérience, on perd pas mal de connexion. Donc c'était chaud et on buguait à mort en fait. C'était juste ça. Alors que là, bah, ça m'oblige à jouer sur ouais. Par contre, j'ai pas ouvert sur robinet automatique des portes. J'aurais pas mis de terre. C'est une blague. Et voilà, hop là. Je viens voler le stuff parce que je ne sais pas aller faire autre chose que ça. Parce que c'est trop compliqué pour moi. Ah merde, mince. C'est moi qui pars cette fois. Purée, c'est bon. Non mais c'est une blague, c'est une dinguerie. Trop une dinguerie. Purée pomme de terre. C'est pas grave. Mais en vrai de vrai, en compte rendu de cette game, cette deuxième game, je trouve que franchement c'est pas mal, c'est fluide et genre j'arrive à tirer sans bug ni rien. Voilà. Ah attends, c'est quoi ça? Ok. Non, c'était pas ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager au max cette vidéo si cette vidéo vous aura plu. Voilà, et du coup on se retrouve sur des lives, sur des vidéos, plein d'autres choses. À très bientôt, petit plus chaud en force. Bye.